Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts, les gars, parce que moi, je le suis. Salut à tous, eh ben, on se retrouve en scène pour la mission numéro 17. Alors vous m'avez fixé un défi un petit peu particulier là. J'ai 12 poissons de plus de 50 à attraper, 3 en vertical, 3 en linéaire, 3 au drop et 3 au leurre dur. Et ça, ça va pas être simple à mon avis, ça va être compliqué. Là on est, c'est marée haute, ça bouge pas, il n'y a pas de courant. C'est un spot que j'ai déjà pêché, donc je connais quand même quelques spots. Donc voilà, j'ai... Il peut y avoir des phases d'activité dans la journée. On va commencer par essayer déjà de cocher vertical et linéaire. Ça paraît le moins risqué. Et puis, drop shot, ça va être une fois que ça se sera fait. Et l'heure dure, même si le reste n'est pas fait, je vais quand même essayer l'heure dure, notamment en faible lumière, coup du soir peut-être, parce que là, on a raté le coup du matin, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc, on va essayer quand la lumière sera pas trop haute, notamment coup du soir, j'essaierai l'heure dure dans... Il y a une petite arrivée d'eau, il y a du courant, il y a le barrage, il y a l'arrivée d'une rivière. Donc on va articuler ça comme ça. Déjà, je vais prendre la température en linéaire, un slick shad, un truc qui prend de tout. Je pense qu'on va faire comme ça. Un petit slick en 9 ou en 11 sur une tête légère. On va voir si ça ramasse un ou deux poissons pour commencer. Chaud patate le type. Ben ouais. Hein. Bon, ça fait quoi? T'étais en short hier? Ah non, on a pris de la flotte à bloc. C'est vrai, il pleut ouais. Parfois au Portugal. Ouais, ouais. Il n'y a que quand Mireille y va. Il pleuvait à bloc, mais bon, c'était quand même pas mal. On a pris, j'ai pris mes premiers cendres en topwater. Et ça compte. Deux de suite. Au stick bait. Bah écoute, toi, je te souhaite la même chose. Ça va être un petit peu plus dur ici, je le sens. Allez, go. Bon. Je vois que t'as même pas mis de sondeur. Eh ben, on fait les premiers lancers, ça sert pas à grand chose en rivière, je trouve. Enfin, j'en ai un, j'essuie de l'arrière, ça me donne une indique sur la profondeur. Ça suffit. Je pêche en linéaire de toute façon, donc je connais à peu près le poste, je sais à peu près les profondeurs. Donc c'est pas vraiment nécessaire. On fait un petit coup de linéaire devant une sortie d'eau. Alors il y a un bateau de très bon pêcheur qui vient de le pêcher avant. Hein. C'est pas fait pour me rassurer, mais bon, on sait jamais, des fois ça va, ça vient, et peut-être que les poissons sont montés entre temps, on sait jamais. On t'attaque avec quoi comme combo comme... Alors, j'ai attaqué avec la nouvelle 728, là, la casting que j'ai faite, avec un hyper mag dessus, un moulinet léger, avec un bon ratio, ça me fait un super combo pour pêcher en linéaire. Et puis après, j'ai monté une canne pour la verticale avec... un nouveau petit prisme en 1000, là, une Fireline dessus et la Terminator verticale. Là. Ça va être deux beaux combos. Ça va me permettre de faire les deux. Après, j'ai une spinning aussi pour pêcher linéaire s'il faut vraiment pêcher très très léger. Mais j'attaque comme ça. Là, j'ai 7 grammes avec un slick en 11. Et il commence à pleuvoir. Et j'attends la touche. Ouais, ça, c'est la Normandie, c'est normal. Encore se mettre des Normands à dos. Oh, je suis un peu un déleur. Les Bourguignons, hein. Ah oui, c'est vrai que t'es normand, mais t'es pas normand, toi. Ouais. Dans le bas de côte. Toi, t'es le normand des fromages qui puent, quoi. Ouais, si on veut. Du Calvados. Comment tu leur suces la dérive aux autres, là? Bah non, je me suis mis derrière, ça n'a rien à voir. Ils viennent de pêcher, je me suis mis juste derrière. C'est pas pareil. Je vais pas aller me mettre juste devant, par contre. Vu le poids qu'il y a dans le bateau, il vaudrait mieux pas qu'il nous passe dessus. C'est des Aveyronais, donc on sait où est-ce qu'on va pouvoir se faire payer à bouffer ce midi. Vers 11h30 midi. En plus, c'est un ex-renard. Ouais, c'est un ex-renard, nous en tairons son nom. Mais c'est un gros barbu qui bosse à la Fédé. C'est ça. Voilà. Pour ceux qui le connaissent. Voilà, c'est ça. Attention au buffalo. Je vais être méfiant. J'hésite à monter directement au barrage, je vois qu'il y a des péniches qui sortent, ça doit faire un peu des appels d'eau parce que là il n'y a pas beaucoup de courant. Donc la sortie elle me tente bien là-bas, on va peut-être monter directement au barrage. Ça ou la berge en face, elle est belle aussi, elle est bien.
Bref, je sais pas quoi. Mm-mm. Le type, il pêche depuis 10 minutes, il est déjà en route à bouffer. J'avais un peu peur à Lipo. Faut être prudent. Ça t'a manqué ça au Portugal, hein? Bon bah. Moi je préfère ça, hein. Ouais. Super gentil, mais bon. Le mec nous a dit bonne pêche. Alors là, pour te pourrir le truc. Et puis ensuite, il redémarre le moteur thermique. En nous disant que ça mord bien là où c'est interdit aussi. Ouais, aussi, ouais. Il dit ouais, faut aller là-bas au barrage, ça mord bien. Les mecs, ils viennent la nuit, ils les fracassent. Bah ouais, mais bon. Bon, on est loin d'en faire un au leur dur là. Au leur soupe. Putain. Patience, Morel, patience. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait quelques lancers en linéaire un peu plus en amont. Comme j'ai pas de touche, je suis passé en vertical. Mais il faut pas paniquer parce que la zone est très vaste. Et comme il y a le courant du barrage qui arrive, le positionnement des poissons, il peut être très précis, on va dire. S'ils peuvent être juste en limite de courant, ou dans le calme, ou dans le jus. Donc, il faut essayer toutes les configurations. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de touche, mais c'est pas forcément un super mauvais signe. Tu vas faire croire ça à qui? Non mais c'est vrai, en plus, ils peuvent se mettre partout les trucs là. Ouais, ouais, ils peuvent ouais. Être là, ouais, il faut peigner voilà, un peu. Ou ouais. Voilà aussi. Exactement. Non, il faut peigner un peu. Peignon. Je peigne. Bon, pour moi ça va être compliqué, mais... Effectivement, pas grand chose à peigner. Tu viens de voir un type faire un deuxième cendre du bord à ras de ta gueule. Ouais, il y a du poisson apparemment ouais, pour ceux qui savent les pêcher. Bien sûr. Non mais c'est sûr qu'il y en a, il n'y a pas de doute. Il faut trouver le truc qui va bien. Ouais. Pour l'instant je l'ai pas. J'essaye. Apparemment le truc qui marche c'est du bord appuyé sur une pilasse. Les mains dans les poches. Bah ouais mais c'est efficace, hein, il n'y a pas de doute. Et pas cher. Et pas cher. Et pas cher. Ah, y a le con qui est en train de prendre gentiment, je pense que la mer doit descendre, ça appelle... ça fait baisser le niveau. Donc le débit étant constant, ça, le courant s'accélère. Donc, ça peut être pas mal. Ça peut pas être pire de toute manière, donc tout changement sera positif. Est-ce que tu as vu qu'il y avait une nana, alors je ne sais plus son nom, dans les missions proposées, qui elle proposait qu'à chaque fois que tu fasses un poisson, tu retires une fringue. Donc tu as quand même un public féminin. Ouais, mais tu vois, là, aujourd'hui, je serais bien habillé toute la journée. C'est clair. C'est mieux de faire l'inverse, comme on avait fait en Espagne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je peux aussi lui envoyer une photo de moi, nu, envoie du nude. Et bon, Il peut lui envoyer du nude. Donc voilà, c'est un public féminin. Voilà. Bien sûr que j'ai un public féminin. Pas très regardant, évidemment. Mais féminin. Ah ouais, mais il faut de tout. Hein. Chaque peau a son couvercle, monsieur. Ouais, voilà, putain, la vieille confiture avec le moisi sur le couvercle. La pleine peau de confiture. C'est quoi? C'est un pot de vieux foie gras là. Exactement. Avec, oxydé. Avec du gras oxydé. Putain, laisse tomber. Putain, le pot. Méfie-toi. Il y a une terrine, ouais. C'est ce qu'elle te dit, la terrine? Ouais, j'imagine. Allez, trêve de plaisanterie, on va attraper ensemble. J'ai enfin trouvé ce qu'elle est pas. Ah ouais? Je suis en manque de chuc. Passe-moi ça. Une hypoglycémie. C'était ça, en fait. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Bon. Ça va aller mieux, maintenant. Ça fait combien de temps qu'on pêche, là? Avec un poil de cul de la boulangère. Oh non! Ah si! Oh non! C'est une boulangère et non un boulanger. Ouais, on ou alors c'est Alban Chouanier, mais. Ah. En tout cas, c'était un grand cheveu. Ah. Ah, peut-être donner un peu de goût. Je vais surtout réfléchir à ce que je peux faire. Je pense que ton cerveau n'arrive pas à faire les deux. Mâcher
C'est pas mon cerveau qui marche en fait, je vais t'apprendre un truc. Le type il va s'étrangler parce qu'en fait il est en train de faire deux trucs à la fois, réfléchir et pencher, il s'étrangle. C'est mon côté féminin, j'arrive à faire les deux. C'est ça. Je le papier avec. Un cheveu, du papier, on les passe après. Ouais, c'est ça. Ouais, au moins tu feras des crottes emballées. T'auras pas besoin de te torcher s'il y a déjà le papier avec. Sois pas vulgaire. Il ne peut pas y avoir grand chose à revendre, hein. Mais c'est mieux que rien. Comme on dit chez moi, il n'y a rien de trop. Je suis pas sûr qu'il je suis même pas sûr qu'il fasse 50 le bazar. Non. Tellement il est petit. 48 à mon avis, tu vois. Ah bah ici il a tellement l'habitude. C'est ça. Bah, la dernière fois que Robert il s'est fait prendre, on l'a jamais revu. Hein. Nom de Dieu. Si ça c'est pas un 50. Ah. Allez. Et oh. Oh là là là. La chatte à Mireille, bon, 2 voilà. mm. Allez Zoé. J'en suis pas spécialement fier, hein. Mais bon, c'est un début. Mais donc c'est un 50. C'est à... un 50 en vertical. Bon, voilà, voilà. Encore 2. Encore 11. C'est long, hein. Plus que 11, on y est presque. When the sun rises, when the sun rises. Allez, un petit cendre. Alors celui-là, il est en linéaire. Et il a coffré le Slick Shad. Alors, celui-là sur une tête de 10 grammes avec un Slick Shad 11, Brown Chartreuse. Et on s'est mis sur la bordure opposée où on était. Il y a une petite cassure là qui passe de, je pense, de 3 à 5. Et en plein jus, là, enfin plein jus, sur le côté à peine du courant principal. On va essayer d'en trouver un autre. Elle me déplaît pas cette pêche linéaire sur cette grande pente douce là qui est vraiment léchée par le courant, elle est chouette. En tout cas, il y a eu trois touches, trois poissons. C'est coffré quoi, quand il y a une touche ça marche, ça fait quoi 20 minutes même pas qu'on fait ça. J'ai dû glisser deux fois, on a fait trois poissons, je trouve ça pas si mal. En se tenant à ça, il doit y avoir moyen de boucler le truc linéaire. Et je pense même que ça pêcherait aussi en drop le long de. Sur ce grand plat là, à faire aller laisser glisser le plomb en revenant. Je laisse glisser tous les. Je fais 3-4 lancers, je laisse glisser de 5-10 mètres, je nous ancre à l'e-pilote, et ainsi de suite.
Ça permet de peigner propre tout en battant un petit peu de terrain quand même, parce que je sais pas où ils sont. La craquée qui m'a mis et la craquée que je lui ai mis en retour, c'est pas gros. C'est pas gros, mais c'est largement bon pour le défi, quoi. Enfin, pour la mission. Attention, il arrive. Le voilà, le petit coquin. Pof ! Mama ! Un petit centre du Seigneur. Et là, dedans, normalement, il y a un slick. On voit bien. J'ai peut-être laissé mordre un peu longtemps. Je ne sais pas ce qu'il croyait que c'était, mais il l'a mangé. Hop là. Comme diraient les anciens, quand le flotteur il coule, t'as le temps d'aller quiller avant de ferrer. Faut pas ferrer trop vite. Voilà. Regarde donc. Seigneur. Oh là là, d'une propreté. Bon, on ne mesure pas, hein. Il fait plus de 50, oui, on est d'accord. On va pas l'embêter. Bon. Number 3. Troisième maillet, oui, ça fait deux linéaires, un vertical pour le moment. C'est ça. Bon, bah allez. On y croit ? Bah, on va finir le linéaire là, je pense. Et après, c'est l'heure du sandwich. Ah, mais si tu sais me... Il va bientôt être midi, c'est l'heure du sandwich. Faut qu'on retrouve les Aveyronnais sur la rivière, parce que... Tu sais me parler. On va louper l'apéro, merde ! Un petit saucisson de ses morts, là. Je le mange. Tu crois qu'ils arrivent à cuisiner de l'aligot sur leur bateau ? Je ne sais pas. Un petit réchaud ? Un petit steak de l'Aubrac avec un aligot, là. Oh là 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 là, t'as des types. Bon, ils sont cap, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont du saucisson caché quelque part dans le bateau. C'est sûr. Même sur eux, peut-être. Sur eux. Ah ben Arnaud, il a la place d'en mettre, en plus. J'ai le courant dans mon dos. Je jette entre... midi, là, quand je regarde la berge, et 13h, pour avoir une belle dérive légèrement aval. Là, je laisse le courant pousser ma bannière et entraîner mon shad. Ça fait des belles touches, hein. Ça me fait une bannière un peu molle, c'est pour ça que c'est engamé fort, parce que quand ils aspirent, ils tirent sur la bannière. Et du coup, ça part assez loin, super. Et ça met une bonne pétée. Ah ouais, magnifique. Il y a une pêche pas dégueu à faire en linéaire. Ouais, mais bon, c'est qu'on fini. On a trouvé un peu tard. Ouais. Mais du coup, on va refaire la dérive en verticale en descendant le courant. Il n'y a pas encore trop de jus. Ça peut être bien. Parce qu'il me reste quand même deux à faire en verticale. Donc je vais essayer de les prendre comme ça.
chercher la cassure. Il y a un peu une cassure là, sur un moment là, de 4 à 5 mètres. Et comme le niveau est en train de descendre fort, je voudrais pas trop tarder pour la pêcher. Parce qu'après, il y aura vraiment plus assez d'eau dessus. Donc on va la faire tout de suite. Et là, pour l'instant, c'est le... sandwich. Mais c'est moi ou il y a de la salade dedans? Je me suis mis aux légumes verts. Mais il y a des tomates? Non, mais exagère pas. Ah ouais, j'ai eu peur. On va pas exagérer. Et toi, je t'ai pris un fish and chips. Filet des perlans. Bon bah... hop là. Voilà ce qui arrive quand on laisse Jean-Baptiste Morel-Lambert faire le montage. De quoi? Oh non, le coquin! Oh là 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 là! Oh merde, c'est moche dans ton bacan! Putain, c'est mon bacan en plus! Ah bah bien sûr! Non, c'est le tien! Ah non, non, c'est ton bacan ça! Mais non, c'est ton bacan! C'est vrai? Regarde, naseux! Regarde! Coca dans le bacan, par contre, merci pour ma tresse, hein, fraîchement spoulée avec amour! Je t'en revendrai une bobine! Putain! Oh non! Putain, regarde! Peut-être plutôt le coupe à ras du moulinet! Ah hein. Oui, coupe à ras, ouais! Putain, regarde ça! C'est rien ça, c'est un petit accident de parcours. Ouais. Oh. Oh, on a arraché la canne. Hop là! Boum! Alors, celui-là en vertical. Ça fait deux en vertical. Il n'en reste plus qu'un. Un petit cendre ainsi. Oh, est-ce qu'il est fait? Il fait 52. Ça va. Boum! Ben voilà. Le 5 qui compte. Vertique et linéaire, c'est fait. Donc bah, maintenant, il nous reste le drop et l'ordure. Ça va être plus compliqué, je pense. Eh ben, c'est pas le client attendu, c'est une mission cendre malheureusement, mais c'est un petit poisson au drop shot. Petite perche de Seine. Sur le sang du petit qui pleure, c'est pas un gamin.
Ah, c'est un beau poisson, hein. Toc. Drop shot. Premier. Avec un slick en œuf, coloriate olive. Aïe. Ah. Bon, écoute. Plus que deux au drop et trois au poisson nageur. Ça peut prendre du temps, mais ça va aller. Le type, il pêche assis, quoi. Ouais, j'ai pris le précédent assis, donc je me dis que c'est peut-être une partie de la solution. Je vais essayer assis en mangeant un gâteau. Ça se trouve, c'est encore mieux. C'est ça. Tu veux un petit... Tu veux bien un petit granola, par contre, ça va donner soif. Si t'as du coca, je suis preneur. Ah, ah. Le... Ah. Bah c'est le goûter les amis. Putain, le régime alimentaire de Sylvain Legendre. Personnellement, la granola avec du... la pêche au drop shot, je trouve ça pas mal du tout. Je me suis calé dans le courant, donc mon shad nage tout seul sous le, à l'aplomb de la canne. Et je pense que ça va être parfait pour le drop. Vous remarquerez que je surveille mon sillon tout en buvant. Ouais. Manger, bouger et manger un fruit, 5 fruits et légumes par jour. À nouveau, c'est pas ce qu'on cherche. Non. Mais ça fait du bien de prendre des touches, surtout quand c'est une jolie perche, comme ça. Je viens de changer de couleur, j'ai mis un petit slick naturel. Aïe. Je l'ai entendu celle-là. Ouais, t'as entendu quand on est rentré. Ouais. Bon, c'est pas simple, les amis, là. Alors ça a été pas trop difficile. Linéaire vertical, c'était bien. Il y a toujours des poissons à faire en linéaire. Par contre, au drop, j'y arrive pas. J'ai varié la hauteur du... la longueur du... entre le plomb et le leurre. J'ai changé... passé beaucoup de coloris. C'est pas ça, hein. Franchement, j'y arrive pas. Je le fais glisser sur la pente, là. Mais j'y arrive pas. Donc pour l'instant, bah, il me manque encore 2 au drop et 3 au leurre dur. Donc leurre dur, j'ai réessayé régulièrement un coup de crank. Là, j'ai sorti un lipless, là, le petit red-eye de Strike King. Mais j'ai du mal, en fait, il y a énormément de courant. J'ai du mal à attraper la profondeur qui va bien. Donc ça s'annonce quand même très compliqué au leurre dur. Bon, demain matin, on est premier sur l'eau. Bah ma chance au leurre dur, c'est la faible lumière, j'en suis persuadé. Donc il faudra ce soir la dernière demi-heure et demain la première demi-heure. Je vais me... chaquer dedans et essayer de prendre au leurre dur. C'est ma seule chance. Si ce soir et demain... Si bon, rêver cette nuit. Ouais, non mais si je prends rien au leurre dur ce soir au coup du soir et demain matin la première demi-heure, ça va sentir le sapin... très très fort. C'est excessivement frustrant parce que je sais qu'il y a des poissons à prendre en linéaire. Il y avait moyen d'en faire 40 aujourd'hui. Hein. Peut-être pas 40, mais 25, mais, c'est sûr. Ouais. Et je suis enfermé dans cette technique là. comme d'hab. Que, ouais. L'histoire de Mission Impossible. Hein. Vous m'en aurez gâché des parties de pêche. C'est pas le but, c'est pas que tu pêches, vieux.
Ah merde, j'avais pas compris le principe en fait. It's only water, it's either sink or swim. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder, oh you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. No playing games. You gotta be true, true, true. Money time. Money time, je joue mon Vatu au leur dur. Aïe, avec donc, quoi? Avec le Red Eye, le Lipless Striking là. Puisque je vais garder quand même le drop pour demain. Je pense réussir à refaire un ou deux poissons au drop. Mais là, au leur dur, j'essaie de profiter du coup du soir. Je ferai coup du soir, coup du matin, je lâche pas le leur dur. Elle est vraiment très difficile cette mission. Elle est très très dure parce qu'il y a une belle pêche à faire, en linéaire notamment, peu en vertical mais en linéaire il y a une super pêche à faire. Et là, l'heure dure et drop, c'est verrouillé, bloqué. Ah bah, elle est surtout dure psychologiquement de savoir qu'en fait, bah, t'aurais moyen de faire... Je pourrais passer mon temps à faire une belle pêche de cendre en linéaire et ça, putain, mentalement c'est pas facile. Ça va que je suis pas fragile. C'est la mission, on va aller jusqu'au bout, mais... En mode autiste. Mais, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une belle pêche à faire en linéaire. C'est bon, on a compris. Il y a quand même une belle pêche à faire en linéaire. C'est bon, on a compris. Le type. Ah putain, ce soir, on va être en train de bouffer. On va être en train de bouffer au resto, il va me dire, et il y avait quand même une belle pêche à faire en linéaire. Mais je vais te le redire 10 fois d'ici demain. Plus je vais être frustré de l'avoir manqué, plus tu vas l'entendre. Allez. Alors la lumière tombe très très vite, donc je me rapproche du bord au fur et à mesure que la lumière tombe pour pêcher dans moins en moins d'eau. Et bah, j'ai eu une touche, j'ai fait un petit cendre lipless là, dans même pas 2 mètres d'eau je pense. Parce que plus ça va aller, plus ils vont avoir leur zone de confort de chasse dans peu d'eau, jusqu'à se rapprocher à ras du bord en pleine nuit. Heure à laquelle on ne peut plus pêcher bien sûr, mais ils peuvent venir dans très peu d'eau. Donc je fais ma pêche de bordure, là je me laisse glisser au courant et je pêche le bord, je pêche la zone des 1 à 3 mètres on va dire. Donc je ramène mon lipless, pas trop vite quand même, c'est pas non plus un sprinter le cendre. Et puis je fais des pauses pour reprendre quand même un peu contact avec le fond parce que là je sais pas trop comment sont foutues les marches. J'aurais dû mieux regarder, on l'a vu sans eau tout à l'heure. Donc je fais cette petite pêche de bordure en espérant rentrer un maillet, ce serait bien. Oh, je le rate. Ah non, faut pas faire ça. Putain, je l'ai raté. J'ai pris une belle touche au lipless et enfumé.
Ah, c'est moche. Celui-là, il va tenter toute la nuit. Celui-là, il va me hanter, ouais. Oh, ah, celui-là, à mon avis. J'en connais, il va regarder le plafond de sa chambre toute la nuit. Ouais, on en rate, hein, c'est comme ça, mais il va le cher, là, parce que... C'est comme celui où aurait le chat tout à l'heure. Putain, ça t'en ferait deux, presque. Je vais pas avoir 36 opportunités de les attraper, là. C'est vraiment... Ça dure 10 minutes, cette action de pêche, là. Et du coup, ça a fait deux touches. C'est pas mal, hein, franchement. C'est vraiment pas mal, hein. C'était pas une énorme touche, mais c'était bel et bien une touche, hein, sans problème. Ah, ça, c'est dommage. Viens, gamin. Viens, gamin, c'est pour jouer. Tu vas pas rester tout seul dans la Seine. Ah, il est pas tout seul. Hein. Il y en a ici, hein, mais... S'il y en avait un de plus qui voulait croquer mon hiplesse, ça m'arrangerait. Là, je suis dans les blocs, des énormes blocs de pierre à ras du bord, là. Être des belles zones de chasse pour eux. Si des fois je pouvais laisser ton hiplesse aussi, ça m'arrangerait. Oh non, putain. Prochain épuisette, faut se manier parce qu'il reste 3-4 lancers à faire avant la fin. Il fait 49, 50, 50. Regarde, si. Ça touche au bout, ça touche le 50, on est d'accord? Ouais. Attends, j'ai même pas filmé. Ouais, mais là, il reste 3-4 lancers à faire. Enlève-toi de là, putain, allez! Tic-tac, 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 il me reste... Oh, il te reste, allez, 5 lancers, 10 lancers. Ça peut suffire à en faire un autre, hein. Ouais. J'ai eu 3 touches en 10 minutes. Hein. Ils le voient, leur. Hein. Enfin, ils l'entendent, ils le perçoivent. C'est des machines, c'est gros, ça. Il n'y a pas de. Pas de problème, quoi. Eh oui! Le voilà! Oh, ça, c'est gros! Ah oh là là, je le savais. I knew it! C'est une machine, ce type. I knew it! Ouais, c'est gros. Oh, magnifique! Ah, j'adore cette money time hiplesse là. Oh, il fait mal celui-là. Celui-là il fait mal de chez mal. Viens là, bim. Oh. Allez. Mireille. C'est pas Mireille. Faut se les gagner, hein. Ils sont pas cadeaux ceux-là. Hein. Hop là. Ah, c'est un petit punk. Regarde, il lui manque les 3/4 de la nageoire. Oh, il fait combien? Ouais, c'est un 60 et quelques. On le relâche vite, il me reste peut-être 2 lancers. Okay. Allez. Zou. Arzou. Bim. Le mec, il est chaud, là. Allez. Allez, torche-moi cette mission ce soir. Il reste pas longtemps. Ah, merde. Perruque. Eh ouais, parce que j'ai fait de la merde. Va doucement. Il s'était serré, tu vois. Bah, va doucement, mais... C'est peut-être l'avant-dernier lancé. Oh là là, je me suis enflammé. Boum. Et voilà le dernier. Ça tombe bien, c'est l'heure. Celui-là, il fait 55. Ok, Dac. Voilà, c'est pas très gros, mais... Bon, bah, c'était vraiment le dernier, quoi. Allez, hop, l'action était sympa. Toc. Ouais, c'est le dernier. Et ça s'est bien déroulé sur la fin. Ok. On a poussé jusqu'à la limite légale. Et ça confirme bien que par faible lumière, il y a des cendres à prendre dans peu d'eau. Et quand c'est comme ça, notamment sur un secteur qu'on connaît peu, où faut... On ne connaît pas spécialement les bons postes, faut battre un peu de terrain et pour ça le hiplesse c'est une super arme. Je vous dis à demain, il nous reste une petite journée pour prendre 2 cendres de plus de 50 au drop shot. Allez, à demain. Thank you.
Et ben voilà, on se retrouve sur la Seine pour le dernier jour. En théorie, les 12 dernières heures. J'espère. Un parti. Et il nous reste deux boissons à prendre au drop shot. J'avoue qu'à cette heure-là, j'aurais bien jeté un petit PN dans la bordure ou même un petit leurre peu plombé dans pas d'eau. Mais bon, va falloir pêcher au drop. C'est pas ce que je préfère. Eh ben on va pêcher au drop shot. Qu'est-ce qu'il y en a vu du poisson tout de suite en arrivant? Ouais, juste en arrivant, il y a un centre qui a fait un remous en surface, qui chasse pas loin du bord là. Donc t'attaques pas sûr, avec quoi? Je suis pas sûr d'avoir la technique la plus adaptée, mais je vais démarrer au drop. Si t'en fais un en surface, ça compte double. Ah ouais? T'as pas d'épuisette de prête? C'est pas grave ça. Tu le drop s'il fait 70. Bien 80, sûr, ouais. Bien sûr. Non, c'est pas gros, mais c'est noyé. Allez, reste avec moi. Paf. Yes. Allez, voilà le premier. C'est pas un géant encore, mais c'est maillé largement. Au drop. Et bah, sur mon slick blanc, au drop, évidemment, puisque j'ai le droit de faire que ça. Donc, sur mon slick blanc, au drop, ouais. Ça mériterait presque une petite photo, cette histoire. Professionnel quoi. Bah professionnel jusqu'au bout des ongles. Tu fais ta photo. Toi t'es tranquille, il te reste plus qu'un poisson à faire pour la journée, ça va aller. Bah c'est pas sûr hein. Ça reste la pêche. Ouais. Il y a dedans. Bon tu veux le mesurer quand même? Non, il fait 50 large. Hein. Easy, ouais. 55 même. Allez, hop. Bam. Allez au suivant. Est-ce que tu les sens les rillettes à l'apéro? On n'en est pas là, mais ça se rapproche quand même. Okay. Je tiens à dire quand même que les granolas sont restés dans le... Dans l'humidité. Dans l'humidité. Je pense qu'ils vont être bons. À mon avis... Est-ce que pas de se péter les chicots dessus ce matin? À mon avis, il y aura que... En même temps, toi, avec le froid, il y aura que les éclats de chocolat qui vont être durs. Avec ta rage dedans. Ah putain, grave. Merci pour les doliprane. On va pas vous raconter l'histoire derrière les doliprane, ça va être censuré. Je donne de ma personne pour qu'il m'offre un doliprane. Ah, c'était pas offert quoi, c'est ça. Putain, le dealer quoi. Il y avait une petite contrepartie. Il deal des doliprane en échange de faveurs. Je dirais pas de quel genre de faveur. J'essaie de pas pêcher trop profond là, ils doivent être encore près du bord à cette heure-là avec la faible lumière, on a la chance, c'est un peu brumeux, donc ça prolonge un peu ce lever du jour on va dire, il prend un peu plus de temps. Du coup je pense que les poissons sont pas encore vraiment descendus, donc je concentre ma pêche entre 1 et 3 mètres on va dire. Quel suspense! La conclusion de la mission, s'il va dedans celui-là. Baf! Pop, pop, pop! Ah! Eh ben, c'est une mission bien remplie! Ouais. Elle n'était pas gagnée sur le papier, franchement.
c'était loin d'être fait. Hein. Tout bon? Cool, mon gars. Eh ben voilà. Moi, j'ai transpiré quand même. Alors, dans l'exécution, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, dans l'ensemble. Par contre, le thème était chaud, quoi. Bon, merci en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. La mission, ce sera certainement une mission de Noël maintenant, parce qu'on va s'en rapprocher. Donc, c'est pour bientôt. A plus, les enfants. Yes, ciao, ciao. Eh oui, une bonne mission sans panne de moteur n'est pas une mission. Bon, voilà. Quand les gitans sont en panne de batterie, on descend la carrette dans l'eau, dans la flotte, pour démarrer. Et je moteur avec les passes, putain. Et je fais des cuifs, ça, cousin. Des cuifs. Ouais, on a toujours une passe, tonton. Allez. C'est n'importe quoi, ouais.